Vincent, on est en fin d'année, vendange c'est terminé, les vinifications sont finies, donc là t'es en vacances, t'as plus rien à faire avant l'année prochaine. Donc on a en cette fin d'année, donc le millésime 2019 se termine. Tout est à peu près en barrique. Il nous reste encore quelques petits lots qui n'ont pas fini les malots. Donc je veux vraiment m'assurer que les malots se terminent avant de mettre en barrique. Et c'est pas pour autant que c'est plus calme parce qu'on prépare déjà le futur, c'est-à-dire que les millésimes 2018, on commence déjà à regarder de très très près le futur assemblage de Moscou. Parce que c'est à cette époque maintenant là qu'on va commencer à vraiment préciser l'assemblage. Et puis dans les vignes, comme vous pouvez voir derrière, les premières gelées ont fait leur effet, donc les feuilles sont toutes tombées. Et on va commencer à tailler d'ici une dizaine de jours. J'aime bien attendre le plus tard possible, début décembre, parce qu'on a quand même un certain nombre d'hectares à faire. Donc il faut bien commencer un jour pour finir dans les temps. Et voilà, donc c'est cette période de transition où les nouveaux vins vont aller tranquillement en élevage, mais où on ressort les anciens, donc les 2018, et puis on prépare la nouvelle année.